Le grand retour de Dr. Greenstuff. Épisode 3. Je veux voir comment fonctionne. Il est fourbe. Mais qu'est-ce qu'il est fourbe? Mais je te connais maintenant. Je te connais. Monsieur Black Disquette. Je sais comment tu fonctionnes dans ton cerveau. Et toi, tu sais comment je fonctionne dans le mien. Toujours là pour vous régaler, évidemment. Non, 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 non. Elle a panique. Les bouteilles d'eau, c'est la vie quand même. Oh, fais chier, je l'ai vidé par terre. Ouais, donc en fait, il faut que je prépare masse bouteille pour être tranquille en fait. C'est au début que c'est un peu critique. Ça le devient un petit peu moins par la suite en fait. Pas de petite couille. Pas de couille pour l'instant. Couille, 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 couille. Tête. Couille. Ouais. Eh non, mais c'est ça la vie. Non, je sais, c'est très dur pour vous, hein, si vous êtes jeune et que vous savez pas de quoi on parle. Mais les couilles, c'est mort. Ah oui, oui, non, forcément. Petit tuto, hein. S'il y a des couilles, c'est que c'est un mal. Hein. On sait jamais. Ça peut vous servir dans la vie de tous les jours, comme dans la culture de toute plante, en fait. Hein. Big birds. Femelle, femelle. Nice. Donc par contre, on a plus de graines. Ah bah oui. Après, on peut très bien décider à un moment, en fait. On va vendre ça. Et après, si on a un mâle, on va le garder. Et on va faire en sorte... on va faire en sorte peut-être de polliniser volontairement un pied. Elle est prête, celle-ci, à votre avis, ou pas? On va attendre un peu. Hein. Je pense qu'on peut la cut. Hein. Elle est prête, à mon avis. Elle n'évolue pas. Ouais, elle est prête, faut sûr. L'autre a passé un palier, elle, non. Le pot, hein, Black Disquette. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Peut-être qu'il y a une logique de gameplay derrière ça. Obliger le joueur à racheter un pot. Franchement, ça pose un petit cas de conscience, quoi. Ça pose un petit cas de conscience d'avoir un pot qui disparaît à la récolte. Eh, il est beau, hein. Et il est garni de ouf. Oh là là. Non, il est garni. Hein. Faudra voir ce que ça donne une fois sur la balance. Mais non, c'est garni. Hein. Oh là là. Oh là, il y a de la tétasse. Hein. Attendez. On va dégrouper un petit peu tout ça là. Pour se donner un petit peu une idée de ce qu'il y a. Allez, on va essayer de faire ça à la pro. Même si c'est chiant parce que j'ai acheté une casserole. Bien que je n'ai pas de... Eh, on va acheter une cuisinière. Eh, mais ça sera, on va se faire juste arrêter par la police, game over en fait. Parce que il faut pas que je vende tous mes pochons d'un coup. Parce que à chaque fois que je vends, ça monte genre de... Je sais pas, un demi-millimètre peut-être. 4-5, je vais poser les pochons là. Ça commence à être stylé quand même de stocker des pochons de Wii et tout chez soi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu stockes des petits potions de weed, tu vas les vendre que quand tu peux, quand ta barre te le permet. Mais du coup, si t'as plus de sous, ah bah tu vas faire des pizzas. Si t'as plus de sous et que t'as mass weed et que t'es à 1 mm, vaut mieux pas prendre le risque de vendre. Oh, c'est chaud. Ok, donc 5 plus le résultat qu'on va avoir en pochon. Alors attendez, parce que ça c'est tête de 10. Oh les calos, mon gars. Après, je pourrais mettre les autres plantes, hein, mais là pour l'instant, j'ai trop à écouler, les gars. Théma, combien on a là 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 fois 50. J'ai 1 000 $, je crois. 1 000 euros. Regardez la barre, vous la voyez? Eh, on peut vendre plus, ok. On a peut-être été un petit peu frileux sur ce coup-là. On peut vendre plus, mais par mesure de sécurité, il vaut mieux vendre une fois, prendre l'argent, aller payer 100 histoire de faire descendre un petit peu l'indice de recherche, et puis y retourner quoi. Donc là, si on y parvient, on va faire une reproduction forcée en fait. C'est le bordel. Donc là, je fais baisser mon indice de recherche, vra, en payant 100, parce que je le rappelle, j'ai 250 000, etc. Le total se réduit normalement, hein, du coup, 260, 100. Donc pour l'instant, j'ai payé 400 $, ok. Là, en fait, ce qui se passe, et ce qui se passera aussi, j'imagine, dans le jeu final, parce que sinon, il n'y a aucune utilité à faire de l'ortie, c'est que cet engrais spécial floraison, ici, ok, était développé, en fait, était créé par moi-même. Puisque je faisais pousser de la weed à l'époque, dans les labos de Dr. Green Stuff. Et donc du coup j'avais développé moi-même un engrais à base d'ortie. Et cet engrais était donc du coup en vente dans le marché, et il en reste. Mais il en reste deux, là. Donc si j'achète ces deux, j'ai plus d'engrais. Et donc du coup l'engrais je vais devoir le faire moi-même. C'est pour ça qu'il y a la recette dans ma cuisine. Ok, on passe aux choses sérieuses, on l'achète. L'unbox, box, box, box. Ok. 249, mais il le faut. Ça fait mal. Vous voyez l'argent, je suis à 577. Ah, je peux pas acheter. Si, 24 euros le ventilateur. 39 euros l'extracteur. L'extracteur d'air, indispensable pour correctement ventiler votre installation et très utile pour éliminer les odeurs indésirables. Pensez à acheter une gaine, sinon vous ne pourrez pas le raccorder à votre installation. Ouais, c'était le dernier. C'est le dernier. Il n'y en aura plus, non, mais il n'y en aura plus. Ra 299 putain de dollars. On a déjà une casserole. On va acheter une table. 59 $. On va pas acheter de chaise, mais on va acheter une deuxième casserole. Alors la box s'est placée automatiquement à un endroit chez moi, hein, à un endroit défini pour la recevoir. Ok, on a le panneau à LED, on a le ventilateur, on a l'extracteur, on a la gaine, on a le pot, on a un terreau, on en a deux, trois qui sont prêts à être utilisés. Les dents, ce sera pas dehors, ce sera en intérieur du coup, on a l'arrosoir, on a des bouteilles, on a plus d'engrais, sauf une bouteille, et on a trois graines. Il faudrait faire une pollinisation contrôlée. Ah ouais, le but ce serait d'avoir beaucoup de graines. Donc je pourrais sortir et utiliser le sac poubelle. C'est ce que vous avez envie de me dire. Je vais vous répondre oui, je pense. Bon, l'intérieur fait un peu papier alu plutôt que millard, mais ça passe quoi. C'est une unbox d'entrée de gamme, hein, 90 euros. Bref, vous avez compris le délire. Ok. L'extracteur d'air et la gaine. Donc j'ouvre l'extracteur d'air. Je connecte la gaine. Non ? Oui. Ensuite, je place l'ensemble à l'intérieur. La box est déjà fonctionnelle, mais il n'y a pas de brasseur d'air. Le brasseur d'air est placé ici. La box est fermée. J'ouvre la box, je ferme la box, j'ouvre la box, je ferme la box, je mets de la weed. Ok, et donc là, tout fonctionne. Nice! C'est pas mal, hein? Alors, j'ai jamais vu de panneau à LED fonctionner. Ça marche très bien. Ça coûte extrêmement cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. A few moments later. Oh, faut que j'arrête de faire ça. Hein. C'est que c'est rapide quand même. Franchement, avec l'armoire. Oh, si t'as le système hydroponique et tout, tu produis. Hein. Après, tu peux prendre plusieurs armoires, les gars. On pourrait tester, hein, franchement. Si on a les moyens, là, selon les ventes et tout, on peut le faire. Hein. One eternity later. On a fini, là. Mais j'ai l'impression que je lag plus qu'avant.
Ouais, y a pas d'anti-aliasing, y a pas de, y a aucune fluidité, y a rien. Les textures, tout est en minimaliste. Les ombres et tout, comme il disait, enfin bref. Le jeu est moins beau que ce qui sera à la sortie, je vous rassure. Mais il sera pas dans tous les cas extrêmement beau. Hein. Bon voilà, c'est pas. Non, je sais, c'est pas impressionnant. Mais quand même, ça fait de la matière là, non? Moi, je pense que c'est pas mal. C'est notre petite production, c'est ce qu'on a réussi à faire en une soirée sur le jeu. On aurait pu faire mieux, hein, mais on a eu des petits aléas. Genre, j'aimerais avoir un mâle et une femelle pour faire des graines, j'ai 5 femelles. J'aimerais avoir un mâle et une femelle pour faire des graines, j'ai 5 mâles. Mais bon, c'est ce qu'on a réussi à faire et c'est déjà pas mal. C'est beau, hein. C'est beau ce qu'on est en train de faire. T'es là, mon appart? Oh, ça lag. Il y a trop de plantes, je pense. Le mec, il respecte absolument rien, quoi. Tiens, fils de pute. Tenez, monsieur. C'est pour vous. Je l'ai mis bien. Et alors? On veut pas de la marijuana?